يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم وفقنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين aujourd'hui nous allons débuter le commentaire de la sourate suivant suivante dans l'ordre inverse euh, que l'ordre normal des sourates autrement dit la sourate 105 puisque la dernière fois on avait وننظر إلى سورة 106 إذ donc سورة الفيل، لكن الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. نأتو باڤي كومون طون سنيور أ آجي انفار لي N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des, des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile et il les a rendus semblables à une paille mâchée Alors on commence comme d'habitude euh, par l'identité ou la carte d'identité de cette euh, Sora, dans laquelle on parle toujours de l'ordre de révélation, l'intitulé, le nombre de, de versets. Est-ce qu'il y a des divergences là-dessus donc, cette sorate, comme je viens de dire, est classée la 105e dans l'ordre des soirs coraniques. C'est une sourate mekoise, et là-dessus, il y a unanimité entre les savants. Elle a été révélée juste après la sorate al-Kafirun. Et ça, c'est très important pour comprendre la logique de la révélation et comment Allah s'adressait aux Qur'achites de l'époque. Donc, c'est une sourate méquoise révélée après Sorat al-Kafirun. Elle est donc la 19e sourate à être révélée, puisque Sorat al-Kafirun, comme on l'avait déjà dit, était la 18e surat à être révélée. Donc, ce qui montre bien que c'est tout à fait au début euh, de la période méquoise, dans les premières années de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. A l'unanimité des savants aussi, elle est composée de cinq, euh, cinq versets. Concernant le titre qui lui a été donné, donc celui qui est le plus connu, qu'on trouve toujours dans le Masahif ainsi que dans les livres de, la majorité des livres de l'exégèse, c'est Surat Al-Fil. Surat Al-Fil, puisque euh, c'est la seule fois où cet animal fut cité euh, dans le Coran. Et vu euh, l'événement autour duquel tourne euh, cette Surat, à savoir. L'attaque de la Mecque par une armée à la tête de laquelle il y avait un éléphant, chose qui n'était pas habituelle chez les Arabes de l'époque, dans la péninsule arabique. Euh, L'autre titre qui lui a été donné, c'est Sorat al Tara. Rappelez-vous, lorsqu'on a dit qu'un successeur a dit :« J'ai entendu Omar ibn Khattab réciter Sourate, dans la prière de l'Almorab, réciter Sourate Al-Mtara, ensuite Sorat Quraish ». Donc, lorsqu'il a dit réciter Surat Al-Amtara, ça veut dire que certains lui donnaient ce titre-là, Surat Al-Amtara, en choisissant les deux premiers mots euh, de, euh, du premier verset. Et il y a quelques savants aussi qui l'appellent, qui l'intitulent Surat Al-Amtara kaifa, Al-Amtara kaifa, en choisissant les trois euh, premiers mots du premier verset. Alors, quel est le, le message général de euh, cette sourate euh, on a déjà parlé de surat Al-Kafirun pour voir un petit peu la logique de la révélation. Surat Al-Kafirun euh, était un message adressé par Allah Azzawajal au Quraishid à travers Muhammad puisqu'il lui a dit « Al-Kafirun, adresse-toi à ces mécréants qui t'ont fait la proposition d'adorer ton seigneur une période et de sorte que tu adores leur divinité leurs idoles euh, une autre période ». Donc là, le Coran était intransigeant. Il n'y a pas lieu de négocier sur la question de la foi ou sur la, la question de l'adoration. Et c'est comme cela qu'il a rejeté leur proposition. Et à la fin, il leur a dit « Lakum dinu cum waliya din »« Dis-leur que vous avez votre religion et j'ai ma propre religion ». Donc il n'y a, a pas de syncrétisme dans les religions. « Rassembler les religions, piocher par-ci, piocher par-là pour satisfaire tout le monde ». La religion est authentique telle que Allah a voulu et il n'appartient pas à Mohammed ni à aucun être humain de l'entacher ou bien d'y apporter son effort personnel. Cette religion elle est claire et elle est bien cadrée par des textes. Bien entendu, ce sont ces textes-là qui peuvent lui donner une flexibilité comme on le sait dans l'islam il y a une flexibilité, mais ce sont les textes eux-mêmes. Qui définissent les flexibilités et montrent quelle est l'étendue de cette flexibilité. Alors donc, dans la continuité de cette logique-là, après avoir parlé, après s'être adressé aux coragites pour leur dire vous avez votre religion et j'ai la mienne, Allah azawajel leur fit rappeler un événement qu'ils connaissaient très très bien, un événement célèbre euh, qui est l'événement de la sauvegarde de la Mecque et notamment de la Ka Kaaba, euh, de l'attaque euh, de l'armée des gens de Elfil. Donc Allah fait un rappel à ces gens-là et en même temps au prophète Mohammed, comme on va le voir, pour leur dire n'oubliez pas, n'oubliez pas que c'est moi qui vous ai protégé, c'est moi qui ai protégé cette, ce temple-là autour de quel maintenant vous êtes en train de faire du polythéisme, autour du, que vous avez pris comme une symbolique de polythéisme. Ce temple-là, c'est moi qui l'ai protégé lorsqu'il il risquait d'être détruit. Par l'armée des gens de l'éléphant. Et ce temple-là, rappelez-vous de son histoire, comme on l'a dit la dernière fois. Son histoire commence par la construction de, 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 de par ces pierres ou la, 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 sa construction pierre par pierre par Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam. Ces deux prophètes, ces deux messagers qui étaient ces deux prophètes qui étaient le symbole même du monét, monothéisme, du pur monothéisme. Et comment vous, vous avez entaché ce monothéisme, vous l'avez changé, et vous avez apporté des nouvelles innovations à la religion de d'Ibrahim a.s. Donc le temple est témoin du monothéisme. Et vous avez trahi ce monothéisme. Et ce temple-là a été protégé par Allah contre une armée qui était chrétienne, comme on va le voir. Une armée qui était chrétienne, qui croyait pourtant en Dieu et qui se revendiquait du monothéisme, alors que vous, vous, vous êtes des polythéistes. Et malgré cela. Allah a protégé euh, cette, ce temple-là, non pas pour vous, parce que vous êtes égaré, mais parce que ce temple-là est la symbolique du monothéisme et parce qu'il allait venir un prophète qui allait justement lui donner un nouvel élan et qui allait euh, renouer avec le message de d'Ibrahim a.s. Et en même temps, en même temps cette sourate est en train de rassurer le prophète alayhi wa sallam dans les premières années de, son, de sa prophétie, que de la même manière euh, que Allah, ou la même manière par laquelle Allah a protégé le Temple, d'une manière miraculeuse, comme on le verra, Allah est capable de te protéger. Donc ne t'inquiète pas sur les menaces qu'ils te font, ne t'inquiète pas sur l'avenir de, de, de ton message et l'avenir de l'islam, il sera sans aucun doute protégé, comme le Temple fut protégé auparavant. Même s'il faut que l'Allah azawajel agisse par des miracles qui ne sont pas habituels chez les êtres humains. Donc voici le message. Un message au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Allah azawajel va lui dire, « Alam tara kayfa fa'ala rabbuka » Il s'adressait au prophète Rabbuka » le cas ici, « damir » Le pronom ici revient au prophète Mohammed sallallahu wa sallam. « N'as-tu pas vu comment ton seigneur a, a, a agi envers » les gens de l'éléphant, ton Seigneur. Donc ici il s'adresse au Mohammed sallallahu alayhi wa Mais en même temps il s'adresse au Qurayshite par le biais de, euh, du messager. Alayhi wa sallam. Alors ce, le verset 1 de cette Surat, rappelez vous dans les premiers cours euh, qu'on a commencé de l'Exégèse de Mufassal, de, 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 on avait dit que les savants euh, ont regardé comment les sourates du Coran commencent. Et la forme du commencement de, chaque, de, de, de toutes les sourates du Coran, ils ont établi qu'il y a dix manières à travers lesquelles le, les sourates les commencent, n'est-ce pas Il y a avec le khabar, il y a avec le ta'lil. ta'lil, par exemple, c'est le surah li'ilafi Quraish, à cause de ta'lil, le, le pourquoi de la chose. Et c'est la seule sourate qui a commencé par ta'lil. C'est pour ça, la dernière fois, on a dit que cette surah a commencé d'une manière un peu euh, inhabituelle et étrange. Euh, il y a des sourates qui commencent par le hamd. Par thana sur Allah Azza il y a des soirs qui commencent par l'interrogation, ainsi de suite. Il y a dix formes de sourates. Cette sourate commence par une interrogation, par l'istifham. Fati, fatihatu sourati Stifhamia. Alam Tara. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi Donc, ça, c'est une interrogation. Et les soirs du Coran qui commencent par une interrogation, et on ça, on l'avait déjà dit sont au nombre de six il y a six soirs parmi les 114 du Coran qui commencent par une forme interrogative. et euh, paradoxalement, toutes ces so là sont, viennent à la fin sont de, font partie de le mot fasal, ça à dire de la dernière partie du dernier septième euh, du Coran c'est ça le mot fasal. il représente le 1 septième du Coran et c'est pratiquement la, la, la dernière partie de, euh, le, du Coran. Donc la première sourate c'est hal ata ala al insani hin min ad dar c'est sourate l'insan donc il commence par une question hal ata ala n'est-il pas venu un temps où l'être humain n'était pas quelque chose de mentionné hal ata ala sourate al insan la deuxième sourate dans l'ordre de, 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 des sourates du Coran c'est sourate an nab' amma à propos de quoi ils se questionnent la troisième sourate c'est sourate al-Ghashiyya. « Hal ataaka Hadith al-Ghashiyya » Est-il parvenu le récit de l'Ghashiyya hein, ?» euh, qui, qui est le dernier jour. Le, le quatrième euh, sourate s'adresse au prophète sallallahu Alam nashrah laka sadrak » pas vu ou nous, 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 nous t'avons pas ouvert la poitrine ?» Donc là aussi c'est une question adressée au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Alam Nasrah al-Kasadrak. Ensuite vient la surat qu que nous sommes en train de, de commenter, sourate al-Fil, Alam Tara kefa al-Rabbu kebe ashabi al-Fil, et ensuite sourate al maun Ara'ayt al-Ladi yukadhibu din As-tu vu celui qui démentit euh, la religion Donc voici les six sourates du Coran qui commencent par une forme interrogative. Lorsque nous voyons ces six sourates, euh, nous allons remarquer qu'il n'y en a que deux qui ont une, une forme interrogative un peu particulière qui commence par lm lm dans les autres lm lm n'as-tu pas vu donc là c'est une forme euh, interrogative euh, de négation il y a une négation n'as-tu pas vu alors que dans les autres interrogations ils ne sont pas de négation ce sont des de confirmations à propos de quoi ils sont en train de, questionner, de se questionner. Euh, Est-il venu une période où l'homme n'était pas quelque chose de mentionné Ainsi de suite. Mais de soir seulement, où il y a cette forme euh, euh, qu'on appellerait euh, interonégative négative nous ne nous, nous, nous t'avons pas ouvert la poitrine. Voilà la négation, nous ne t'avons pas ouvert la poitrine. Et, Tara n'as-tu pas vu comment ton, ton Seigneur a agi envers les gens de euh, l'éléphant Alors, le, face à cette, à cette interrogation, il y a deux réponses. Lorsque Dieu pose la question au prophète Tara comment il peut répondre Soit par l'affirmation, par l'affirmatif, oui, j'ai vu que euh, j'ai remarqué que tu m'as ouvert la poitrine. Oui, j'ai vu ce que tu as fait avec les gens de l'éléphant. Ou bien par la négation, de dire non, non, tu ne m'as jamais ouvert la poitrine. Ou de dire non, euh, je ne sais pas ce que tu as fait avec les gens de l'éléphant. Bien entendu, c'est pas possible. Le, le prophète ne peut pas répondre ainsi. Donc le prophète ne peut qu'acquiescer que de dire oui, tu m'as ouvert la poitrine. Oui, j'ai vu ce que tu as fait avec les gens de euh, de euh, l'éléphant. Donc c'est pour cela qu'on parle au niveau de la rhétorique de l'interrogation de, euh, de à valeur affirmative, l'interrogation à valeur euh, affirmative. Ce qu'on appelle en arabe al-istifhamu at-taqriri. Ça veut dire que Allah c'est très bien la réponse de Mohamed et d'ailleurs on dira même, il n'attend pas une réponse a priori il n'attend pas de réponse de la part du prophète wa sallam, parce qu'il sait que sa réponse elle va être affirmative d'accord, euh, et dans, même dans, le, le, dans la rhétorique de la langue française euh, on parle d'une, cette rhétorique là elle, 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 elle est appelée la subjection la subjection elle consiste, là, sa définition c'est qu'elle consiste à user de questions euh, oratoires et de, répondre immédiate, et de réponses immédiates fournies par le même locuteur. Le même locuteur, c'est celui qui parle qui fournit la réponse, qui ne peut être qu'affirmative. On parle aussi d'hippobole avec un H-Y-P-O-B-O-L-E. Euh, -O -O -E, Donc cette rhétorique-là se trouve bien entendu euh, en arabe. Alors, comme exemple, cette forme-là se trouve énormément dans le Coran. Donc là, on profite de cette occasion de parler de cette rhétorique pour voir dans le Coran ce qui se dit dans ce sens. Lorsque Allah Azzawajal euh, dit « Alam tara ila ladhin kharajou min diyarihim »« Alam tara ila ladhin kharajou min diyarihim »« Wa hum hazar al-maut. Fa qala allahu lahum moutu » Ça, on trouve dans le Surat al-Baqarah. N'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure Il y en avait des milliers par crainte de la mort. Puis Allah leur dit Mourez. Après quoi, il leur ou bien Il, il leur rendit euh, la vie. On trouve lorsque Allah Azzawajil parle de, de, de Nimrod. Lorsque Allah Azzawajil dit il a l'adhi Ibrahima. Fi Rabbihi, n'as-tu pas vu l'histoire de celui qui argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur? On retrouve aussi dans le Surat al euh, Bakara. Alors, dans ces deux exemples, et bien d'autres, euh, l'utilisation de la forme rhétorique à valeur affirmative euh, a pour objectif de rappeler un fait historique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il lui fait rappeler le fait historique de, de ces milliers de personnes euh, qui sont sorties par peur de la mort, et là, Allah leur donne la mort et ensuite les ressuscitera. Donc, rappelle-toi de cette histoire. Il lui fait, fait rappeler l'histoire de l'adhijah Ibrahim, celui qui a euh, argumenté contre Ibrahim alayhi salam, et c'est exactement la même forme qu'on trouve dans notre sourate, puisqu'il lui, lui fait rappeler l'histoire des gens de euh, l'éléphant. Il existe euh, par contre d'autres euh, objectifs dans l'utilisation de cette forme. Ce n'est pas seulement n'est pas utilisé toujours pour rappeler un fait historique. Cette forme-là rhétorique peut être utilisée pour euh, appeler ou bien pour attirer l'attention de l'interlocuteur sur quelque chose à méditer. Donc, pas forcément historique, sur quelque chose qui a un rapport avec la création. Euh, une, une partie de, créa, de la création, un élément de la création de Allah Azza wa Lorsque Allah Azza wa dit, par exemple, Alam Tara, Alam Tara, Anna Allah, Anzala, Minas Ma'an, fatusbihul ardu mukhdara N'as-tu pas vu que Allah fait descendre l'eau du ciel et la terre devient alors verte Donc là, il, il attire son attention. Pour méditer sur un élément de la création. Regarde comment Allah regarde comment Dieu fait tomber la pluie du ciel. Donc là, c'est pas un fait euh, historique. Euh, et d'ailleurs, ce euh, cet élément de la création, il peut être aussi, peut-être dans certains cas, un élément visible par l'œil nu. Et il peut parfois être un élément non visible par l'œil. Et donc là, Allah ne il demande deux choses. Il, il est en train de faire part de cet élément invisible, de lui dire ben, il y a quelque chose qui t'est invisible, mais je t'informe sur cette chose. Et la deuxième chose, tu dois méditer sur ce, que, ce dont je t'informe. Vous avez compris Lorsque dans a trois, trois formes dans ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Soit il attire son attention sur un fait historique Et on a donné des exemples Soit il attire son attention sur un, un élément de la création Et dans ce cas, il y a deux sous-catégories sous La catégorie des éléments qui sont visibles Comme la pluie qui, qui, qui tombe, comme les animaux, comme les, les montagnes et ainsi de suite Ils sont visibles par l'œil nu Ou bien des éléments de la création qui ne sont pas visibles Et lorsqu'ils ne sont pas visibles et que Allah euh, utilise la forme interrogative sur ce, ce dernier, dans, dans, dans son discours envers le prophète alayhi wa sallam, ou envers un autre être humain donc dans ce cas il l'informe sur ce qu'il ne voit pas et en même temps il lui demande de méditer sur cet élément un exemple lorsque Azouz dit mm -hmm. n'as-tu pas vu que, euh, que euh, n'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par ceux qui sont dans les cieux et la terre. Est-ce que ça, c'est visible de par l'œil Tu ne vois pas comment les, 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 les ceux, que Allah ceux qui sont dans les cieux et de la terre euh, glorifient Allah. Ça, ce n'est pas visible. Donc, par cette information, par cette forme-là, Allah azawajal nous euh, renseigne que tous les éléments du ciel et de la terre glorifient Dieu. Une information qui nous était. Qui ne qu nous est pas visible et qu'on ignorait. Donc voilà une information. Et en même temps, cette information, puisque c'est Allah qui nous en fait pas, on ne peut que le croire. Donc c'est véridique. Et à partir de là, nous devons méditer sur cette information. Que tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre glorifie Allah. Azawajal. Donc que dois-je faire moi Donc là, c'est à partir de là que je cherche le résultat de cette méditation. Donc vous voyez comment le. La, 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 la rhétorique coranique, comment elle est utilisée, et c'est comme ça qu'on doit chercher. Les, à partir de chaque exemple, on essaie de trouver des exemples similaires dans le Coran pour euh, comprendre le balara et la, la rhétorique euh, euh, du Coran. Maintenant, une question euh, s'impose. Quelle est euh, la forme de vision dont parle ce verset N'as-tu pas vu comment Allah a fait euh, agit agi envers les gens. Donc, n'as-tu pas vu que, De quelle vision, là, Azaz, je le parle ici Nous savons très bien que le prophète alayhi wa sallam, est né en quelle année 570 ou 571 Et à et, fil et, c'était quelle année C'était la même année. Le prophète alayhi wa sallam, est né peu de temps, c'est-à-dire dans la même année, peu de temps, quelques semaines ou quelques mois après euh, cette, euh, cet événement. Donc, est-ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam se rappelle de cet événement Pas du tout. Donc, est-ce qu'il l'a vu Encore moins. Donc, de quelle vision parle Allah Pourquoi il lui a dit Alam Tara Il, il n'a pas vu. Donc, comment on peut comprendre Et Allah, je sais que le Prophète n'a pas vu cet événement. Donc, pourquoi dans ce cas il le questionne s'il avait vu ou pas euh, D'accord Donc, forcément, il y a une sagesse derrière l'utilisation de cette forme-là. En fait, on peut le comprendre de deux manières. Soit Allah Azzawajal parle d'une vision réelle, avec l'œil, une vision réelle. Soit Allah Azzawajal utilise une forme métaphorique, ça veut dire une vision euh, en, en, en voyageant dans l'histoire. Donc ça veut dire une méditation sur ce qui s'est passé dans l'histoire. Et les deux sont vrais, comme on va le voir, les deux sont vrais. Commençons par la vision réelle. Bien entendu, le prophète n'a pas vu cet événement-là, n'a pas vu ce qui est arrivé aux gens de l'éléphant. Il n'a rien vu. Mais, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va comprendre de ce verset C'est que Allah, Azzawajal, en fait, utilise le prophète comme intermédiaire dans ce questionnement, dans cette interrogation. Mais, en fait, il s'adresse à qui réellement Il s'adresse aux Koraïchites qui ont vu cet événement. D'accord et ça, ça s'utilise dans le Coran, où parfois Allah, Azzawajal, il parle au prophète. C'est comme les versets, « N'as-tu pas vu que Dieu a fait descendre du ciel l'eau ?» Ça ne s'adresse pas qu'à Mohammed mais c'est un message lancé à tout le monde. d'accord Mais dans ce cas spécifique, il est lancé au Quraysh qui, qui était vivant à l'époque de l'événement de El Fil. Et comme le prophète a reçu la révélation de surat El Fil, au début... De sa prophétie. Donc il avait combien Quel âge Quel âge avait le prophète Asma euh, lors du premier message qu'il a reçu 40 ans. Donc là on était dans les premières années de sa prophétie. On a dit c'est la 19e Sora. Donc on va considérer qu'il avait 45, 48, 46 ans à peu près, puisque la 19e Sora. Sur les, les, les 5 ou même moins, même 4 premières années, 19 Sora, si on peut imaginer facilement qu'ils ont été révélés, même plus, largement plus. Donc ça veut dire que les gens qui ont plus de 54, 55 ans, de, parmi le Korachites, ont vécu cet événement. Et ils étaient vivants à l'époque où cette surat a été révélée. Donc le Coran, par le biais du prophète, s'adresse à ces gens-là, à ces témoins-là, qui sont encore vivants, et qui ont vécu l'événement, ou à d'autres témoins qui sont morts entre-temps, mais qui ont laissé leur témoignage à d'autres personnes. Donc ce n'était pas une affaire, euh, qui était ignoré par les Qurashites. C'était une affaire il est tellement répandue qu'il y a encore des gens qui l'ont vu et des gens qui sont sûrs, comme s'ils étaient présents, comme s'ils l'ont vu de leurs propres yeux. Puisqu'un événement comme ça ne passe pas inaperçu, un événement comme ça se raconte d'une génération à une autre. Et là, on était seulement à une quarantaine d'années de l'événement, donc l'événement est encore frais dans la mémoire des gens. D'autant plus qu'il y a des gens qui l'ont vu et qui vivaient à l'époque du prophète alayhi wa sallam ou qui étaient euh, témoins de certains, euh, certains souvenirs euh, de cet événement. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit euh, l'ahadith, la on trouve qu'un compagnon du prophète alayhi wa sallam qui s'appelle Attab ibn Husayn, c'est un homme euh, qui était au départ mécréant et qui s'est converti lors de la conquête de la Mecque, lorsque le professeur Asma a conquis la, la Mecque et que, euh, que Bilal anh, est monté au-dessus du de Kaaba pour lancer l'appel à, 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 à la prière, euh, Attab était avec euh, Abu Sufyan et tout. Et il lui a dit Ça, J'aurais jamais aimé vivre un jour, j'aurais jamais aimé vivre jusqu'à entendre un, un esclave comme ça appeler à Dieu depuis la Kaaba. Qu'est-ce que tu en penses Abou Soufiane Et Abou Soufiane, il lui a dit "J'ai peur de dire quelque chose parce que même les pierres écoutent ce que je dis." C'est-à-dire l'information va arriver à Mohammed Dieu alayhi l'informe. Donc il, si je dis quelque chose, ça va parvenir au prophète. Et le prophète ça s'est est arrivé et il leur a dit "J'ai entendu ce que vous avez dit." Voilà ce que tu as dit et voilà ce que Abou Soufiane, voilà ce que tu as dit. Et c'est là que Hatab radhiyallahu s'est converti à l'islam. Donc Le témoignage de, 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 de ce compagnon important, il dit J'ai pu voir le dompteur, j'ai pu voir le dompteur de l'éléphant ainsi que celui qui le dirigeait. Adaraktu Saïs sa'is c'est celui qui dompte les animaux. Adraktu sa'is al Fili donc, j'ai pu voir, ça veut dire que j'étais encore vivant et je, je suis arrivé à voir celui qui, qui a dompté, qui qui dompté l'éléphant euh, ainsi que celui qui le dirigeait. Euh, ils étaient tous les deux aveugles, ils étaient tous les deux aveugles, grabataires, c'est-à-dire ils ne marchaient pas et ils mendiaient les gens. Ils demandaient aux gens de leur donner de la nourriture à la Mecque. Donc, lui, il a dit J'ai vécu ça et j'ai vu ces gens-là. Donc, c'est des gens qui sont témoins euh, vraiment de cette. Uh, événement. Il y a, euh, et d'ailleurs même ça, ce, ce hadith là a été rapporté aussi sur Aïcha qui a dit j'ai vécu, j'ai vécu avec et j'ai vu ces gens là parce que les gens ont transmis l'information donc c'est des gens qui, 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 qui sont âgés, ils doivent avoir soixante-dix ans, s'ils étaient jeunes au moment où ils sont venus euh, pour attaquer le Kaaba, supposons qu'ils avaient 20 ans. Et là, vous rajoutez 45 ans, donc ils sont à 65 ans, 70 ans. C'était des gens qui étaient encore vivants. Et Aisha .a. a dit je, je, je les ai fréquentés, ces gens-là. Et tout le monde savait qu'ils faisaient partie de l'armée d'Abraham, dont on parlera. Il y a aussi un, 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 un tabi'i du nom de Abu Salih As-Samman, et c'était un rapporteur de Hadith, euh, et qui est mort en l'an 101 de et qui dit Ra'aytu fi بيت ummi رأيت في بيت أم هانئ بنت أبي طالب نحوا من قفيز نحوا من من قفيزين نحوا من قفيزين من تلك الحجارة سوداء مخططة بحمرة سوداء مخططة بحمرة إلى دي جي في دو مي زيو دون لا ميزون دو أم هانئ إي أم هانئ سي سي لا في دو أبو طالب دونك إلي كي بارابور بروفيسور عاصم إلي سا كوزين Il est sa cousine. Et elle ne s'est convertie à l'islam qu'à la conquête de la Mecque. Elle était mariée avec un homme qui était un ennemi juré du prophète Sallallahu wa qui a insulté le prophète Sallallahu et tout. Et le prophète Sallallahu a appelé à le tuer lors de la conquête de la Mecque. Il leur a dit, il y a une dizaine de personnes, il leur a dit, si vous arrêtez ces gens-là, tuez-les. Parce qu'il a fait des choses euh, ignobles par rapport au prophète Sallallahu wa Et donc lui, il a fui la Mecque et Hani est venu chez le prophète Sallallahu il l'a trouvé en train de faire ses ablutions et sa femme lui versait l'eau. Et il a dit, qui est là Il lui a dit, Oumhani. Hani. Il lui a dit, Bien, bienvenue à toi. Et il lui a dit, je suis venu pour m'intercéder euh, au, auprès de toi hein, en faveur de, de mon mari. Et il lui a dit, toute intercession qui vient de, de ta part est acceptée. Et donc, euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, l a, l a demandé à ce qu'on ne fasse rien à Oumhani. Euh, Parce que son frère Ali ibn Abi Talib, lui a dit, si je l'arrête, je vais le tuer. Et après, Oumhani s'est converti à l'islam. Et lorsqu'il s'est converti à l'islam son mari ne s'est pas converti à l'islam donc elle a été divorcée de lui puisqu'elle n'a pas voulu se convertir et après le prophète alayhi wa sallam, a demandé sa main il a demandé sa main et il lui a dit à rasulallah tu es euh, plus cher pour moi que mon oui et, et mes yeux mais tu sais bien que j'ai des petits enfants et je me charge de petits enfants donc j'ai peur de ne pas être une bonne épouse parce que je vais m'occuper de mes enfants, ou de ne pas être une bonne mère si je m'occupe de toi. Et le professeur lui a dit, libre à toi. Lui, il a voulu l'épouser parce qu'il a été divorcé de son mari, quelque part, pour, voilà, tu as perdu ton mari. Donc, à l'époque, c'était une manière... On, 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 une Épouser les femmes à l'époque se faisait énormément pour des raisons... Sociales. et d'ailleurs la presque totalité des mariages du prophète wa sallam, a peu de choses fait c'était pour des raisons vraiment sociales et pour des, un intérêt général euh, du, euh, de l'islam et ça c'est un autre sujet donc lui il a dit j'ai vu de mes propres yeux donc euh, chez euh, um, um Hani donc c'est cette femme là la cousine euh, du prophète wa sallam, deux kafiz je vais expliquer ce que c'est le kafiz deux kafiz des pierres qui furent jetés sur les gens de l'fil. Et ces pierres-là, elles étaient comment il, il les a décrites. Il a dit, qu'elles étaient noires avec des traits rougeâtres. C'était des petites pierres noires avec des traits rougeâtres. Euh, maintenant, la question de l'kafiz. L'kafiz, c'est une unité de pesée qui était utilisée autrefois, l'kafiz. Et les savants l'ont évalué à peu près à 16 kilos, par rapport maintenant. Euh, donc, lorsqu'il dit, être kafizaini », ça veut dire qu'il a vu à peu près 32 kilos, 32 kilos de ces pierres-là qui ont été jetées sur les gens de le fil, qui étaient rassemblées dans la maison de Oumani. Ça veut dire que son père Abu Talib, peut-être qu'il les a gardées depuis, il les a hérités depuis son, grand, son, son père qui, Abd, le mot qui est le grand-père du prophète sallam. donc ils ont gardé ces pierres-là comme souvenir de ce grand événement. Ça veut dire que c'était très... Euh, répondu chez eux et ils avaient des, des témoignages physiques de ce qui s'est passé. Et même on rapporte que euh, Roth, la bousse du chat de, 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 de l'éléphant, une bousse de, de l'éléphant a été gardée par quelqu'un comme souvenir et il est resté, il s'est asséché et il est resté des années durant euh, chez cette personne-là et des gens ont vu la bousse de cet éléphant parce que... Vous savez très bien, dans la péninsule arabique, il n'y a pas d'éléphant, donc c'était un événement extraordinaire et exceptionnel. Donc certains ont gardé ce souvenir de ce grand événement. Donc voici la première explication de la vision. Al-Amtara. Dieu s'adresse par le biais du Prophète à ceux qui ont vu de leurs propres yeux cet événement-là. Ou bien le Prophète s'adresse au Prophète en utilisant une forme métaphorique. Ça ne veut pas dire la vision. Euh, oculaire, mais la vision de méditation. Donc c'est une forme métaphorique. Ça veut dire, as-tu médité sur l'histoire qu'on t'a racontée, sur qui, qui est arrivé à ces gens de El Fil. Et dans ce cas-là, on considérera que le message s'adresse au prophète Mohammed. Mais le encore une fois, les deux explications sont, se valent et les deux explications sont correctes et euh, on ne peut pas prendre une sans l'autre. La question qu'on peut se poser, pourquoi Allah a dit alors qu'il aurait pu dire la traduction de c'est comment N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant Il aurait pu dire N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait aux gens de l'éléphant ce que ton seigneur a fait aux gens de l'éléphant. Donc dans ce cas, il aurait dit Alors que là, il lui a dit As-tu vu comment ton seigneur a fait Et alors, il y a une grande différence entre Et ma Et ma Ma Attire l'attention sur les conséquences de l'action de Dieu. N'as-tu pas vu ce que ton seigneur a fait des gens de l'éléphant. Qu'est-ce qu'il leur a fait Il les a détruits. Donc les, la conséquence de, de ce qu'il a fait, c'est la destruction. Donc s'il a utilisé « ma fa'ala », ça veut dire ce qu'il qu a fait d'eux. Et dans ce cas, ça, on, va, on va regarder, on va, on va voir la conséquence. En revanche, lorsqu'il lui dit « alam tara kayfa fa'ala »« N'as-tu pas vu comment ton seigneur a agi ?» Ça veut dire que l'outil qui a été utilisé pour détruire ces gens-là, tu dois méditer dessus. Et cet outil, c'est un outil miraculeux, qui est le fait d'avoir diligenté une armée d'oiseaux pour jeter des pierres d'argile sur eux. C'est quelque chose qui n'est pas commune, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, c'est quelque chose qui est miraculeuse. Donc là, ici, il attire l'attention sur le côté miraculeux de la défaite des gens de, de d'Ulfil. et non pas sur la défaite elle-même, d'accord Pas sur la défaite elle-même. Parce que Dieu Allah, aurait pu le détruire par autre chose. Et ça, c'est une réponse à certains savants, parfois, malheureusement, qui ont essayé de minimiser du caractère miraculeux du moyen. Vous avez Cheikh Mohammed Abdurrahim Allah, c'est une sommité. Et dans son tafsir, le euh, Manar, en fait, le Manar, c'est tafsir de Rachid Reda, de Cheikh Rachid Reda qui est l'élève, qui n'est autre que l'élève de Mohamed Abdo, et qui a rapporté sur Mohamed Abdo qu'il a dit que la destruction des gens d'ulfil de s'est faite en fait par une bactérie ou un virus. Donc c'était une épidémie qui a détruit les gens d'ulfil. Et Mohamed Abdo, avec tout le respect qu'on qu 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 peut avoir pour lui, c'est une, une sommité, il n'y a pas de doute là-dessus, fait partie d'une école, ce qu'on appelle le madrasa la Akliya. C'est une école qui, au début du XXe siècle, tellement il y a les orientalistes, ce qu'on appelle aujourd'hui parfois les, les islamologues, qu'on va appeler maintenant désormais les, les, les islamologues pour enlever la connotation négative qu'ont donne aux orientalistes, pour que les musulmans gobent mieux, mieux ce, ce nom-là, islamologue plutôt qu'orientaliste, euh, et pour il faut faire en même temps la distinction avec théologie, théologien. Voilà, on ne veut pas théologien. On n'est pas des, 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 isla, des, des, des orientalistes, on est des islamologues, des, des, des scientifiques de la religion. Comme dernièrement, j'ai entendu un coranologue. Première fois que j'ai entendu ça. Le terme-là, un coranologue qui a été embauché dans une université pas loin d'ici. Et, et Qu'on aimerait bien rencontrer pour voir euh, c est, c est, c est, à quel niveau il est arrivé dans l'étude du Coran et de la compréhension du Coran. En tout, en tout cas, ça, c'est quelque chose qui va venir et que vous allez entendre, entendre de plus en plus. Et même des musulmans qui se disent islamologues et qui n'ont rien à voir avec la théologie musulmane. Euh, bon, je ferme la, la parenthèse. Donc là, Mohamed Abdou, il fait partie de cette école. Tellement il y avait la pression à l'époque des orientalistes que certains savants ont commencé, euh, pour ne pas quelque, quelque part paraître comme des naïfs ou paraître comme des fous, à euh, relire certains événements de la biographie du Prophète en leur ôtant le côté miraculeux. Comme par exemple al Meharaj, ils ont dit que le Prophète .a, a subi al Meharaj. C'est seulement l'âme qui a subi l'israël et le mais pas le corps. Voilà, c'est quelque chose qui est acceptable. Mais si c'était pas le corps, comment, comment se si fait-il que les Koraychites, si c'était pas le corps, ça veut dire que l'âme, c'est comme si c'était un rêve. Alors que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis au courant les Koraychites de ce qui lui est arrivé, les Koraychites ils ont dit, mais ils sont allés chez que lui dire, tu pas entendu ton ami ce qu'il a dit Si c'était que par l'âme, ça c'est quelque chose qu'on peut on va dire, ah ben il a rêvé, il a. Il a fait un beau rêve et c'est tout. Ça ne suscitera pas de l'étonnement de la part des gens. Mais c'est parce que le prophète sallallahu a bien dit que c'était corps et âme qu'il a suscité l'étonnement chez les Quraishites et même l'étonnement chez certains musulmans qui se sont apostasiés, qui ont apostasé l'islam lorsqu'ils ont entendu cette information parce que c'était invraisemblable pour eux. D'accord Donc certains savants sont tombés dans ce piège. Et c'est ce, ce qui arrive aujourd'hui même, et surtout ici en France, à certains imams ou pseudo-imams qui, pour plaire à, aux autres ou bien pour diminuer de l'impact de la critique de chez les autres, ils commencent à donner des explications, soit disant flexibilité, ainsi de suite, à certains faits religieux qui sont clairs ou à certains faits de savoir qui sont clairs ou à certaines prescriptions religieuses qui sont claires, euh, afin de mieux passer devant les autres et de diminuer l'impact ou bien de détracteurs de, 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 détracteur de l'islam euh, sur l'islam et ça c'est bien entendu faux donc Mohamed Abdou il est tombé dans ce piège là et lui il a dit c'était un virus une épidémie si c'était une épidémie si c'était une épidémie pourquoi Allah, azuzul, va dire alam tara faala fa il aurait dit alam tara ma faala n'as-tu pas vu ce que Dieu a fait des gens de Dieu? il aura envoyé une épidémie mais ça c'est quelque chose qui est acceptable par l'esprit humain. Une épidémie est venue ils sont morts. Ça, ça arrive dans l'histoire. Il n'y a pas de côté miraculeux là-dessus. Mais comme Allah a dit ce mot montre tout de suite qu'il s'agit de quelque chose de miraculeux. Voilà. Et donc, comment un musulman se permettrait-il de venir et donner une interprétation euh, aussi fragile que cela alors que le Coran est explicite dans sa forme rhétorique, il est explicite et il attire l'attention sur le côté miraculeux, keifa et non pas Ma fa'ala Et d'ailleurs, regardez, lorsque je vous dis cette forme, euh, ne voit-il pas au-dessus d'eux, euh, au ciel, comment... Euh, nous l'avons construit et comment nous l'avons embelli. Il faut voir le comment. Et c'est là où il y a le côté miraculeux. Ce ciel-là, comment il est embelli par les astres et tout ça, c'est miraculeux. Comment il a été construit. Et malgré ça, il n'y a pas de fissure. Dans toute construction, il y a des fissures ou des micro-fissures. Et dans ce ciel-là qui est construit, qui est immense, il n'y a pas de fissure. Donc le, le comment, c'est voir l'outil et le comment de la chose fait, euh, attire l'attention sur. Le caractère miraculé et la puissance de Allah. Donc on ne peut pas réduire ça à des bactéries, même si ça aurait pu être vrai, les bactéries sont envoyées par Allah. Mais ce n'est pas le cas, et dans ce cas, Dieu n'aurait pas utilisé le mot Kaifa La deuxième question, c'est qu Allah a dit Alam Tara fa'ala Il aurait pu dire Alam Tara fa'ala Allah ashab hein, N'est-ce pas Comment a, Dieu a fait, euh, Dieu a agi envers les gens de l'éléphant. Mais lorsqu'il a dit Rabbuqa, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le kaf là, le pronom là revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi il intègre le prophète alayhi wa sallam C'est quelque part pour euh, le valoriser et lui dire quelque part que tu en es pour quelque chose. Tu en es pour quelque chose. D'une part, et, et la preuve, c'est que le prophète Sallallahu est né la même année. Dieu a voulu qu'il soit né la même année que ce grand événement. La sauvegarde de Kaaba et la naissance du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam qui va la sauvegarde, la sauvegarde de Kaaba de la destruction et la naissance du prophète Sallallahu la même année pour la sauvegardie du de polythéisme. Deux symboliques qui sont grandes. Donc, quelque part, c'est comme je a dit, je t'ai préparé le terrain. Je suis allé naître et je te préparais le terrain pour que cette Kaaba, qui est la symbole du monothéisme, que tu es venu pour soutenir et pour le, le, le remettre sur les rails, je l'ai sauvegardé. Pour toi, quelque part. Deuxième chose, c'est que lorsqu'il y a des grands événements que Allah Azza wa veut ramener à l'humanité, il les fait toujours précéder par ce qu'on appelle l'Erhasat. L'irhas, c'est quelque chose de miraculeux qui arrive avant le miracle du prophète lui-même, lui le miracle qui arrive euh, une fois le prophète devient prophète, on, une fois le prophète est missionné, on l'appelle Al-Irjaz, ou Mais avant qu'il ne soit missionné, avant qu'il ne devienne prophète, on on les, les, miracles, les miracles, on les appelle en arabe Erhas. C'est un miracle avant-coureur de l'arrivée d'un prophète. L'arrivée La, de Jésus, de, de Isa a.s., était précédée par des miracles avant-coureurs. Comme quoi Hein La naissance de qui La naissance de Yahya a.s. Regardez lorsque Allah, à je lui parle, euh, que ce soit dans Ali Imran. Avant de parler de Myriam et de Issa, il commence, de parler, il commence à parler par l'Allah Imran, ensuite il parle de Zachariah. Zachariah qui a dit, déjà le premier c'est que s-salam, euh, elle recevait des fruits euh, dans, dans le temple où elle se réfugiait, elle recevait des fruits et on ne savait pas qui lui ramenait ces fruits. Et des fruits hors saison. Ça, c'est premier miracle. C'est ce qui a poussé Zacharie lorsqu'il a vu ça, il lui a dit « Anna laki est-ce que tu as eu tout ça ?» Et lui a dit « Inna Allah man yasha'u qui donne à qui il veut son, son, son compter. Donc « Hunalika da'a C'est là où Zacharie qui était désespéré d'avoir un enfant. Pourquoi Parce qu'il était très âgé et parce que sa femme était... Stérile. Mais lorsqu'il a vu le miracle de, de, de Maryam, il a dit ben puisque le miracle est arrivé, ça peut m'arriver aussi. Donc c'est là, c'est ainsi que Zacharie s'adressa à Allah et lui a dit voilà, je suis devenu vieillard et tout ça, et ma femme est stérile. Donne-moi un enfant qui méritera et ainsi de suite. Et là, Allah a donné naissance à Yahya, à Jean, d'une manière miraculeuse. Tout ça, c'est pour préparer. La conscience humaine de l'époque à l'arrivée de Isa, qui allait arriver d'une manière miraculeuse, qui est celle de naître d'une mère sans père, de naître d'une mère sans qu'elle ne soit touchée par un homme. Donc, Allah a préparé les hommes de l'époque à l'arrivée. Donc, nous avons vu Mariam recevoir euh, la nourriture euh, hors saison et tout ça, ça c'est miraculeux. Donc, là, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Ensuite, nous avons vu Yahya qui est né de deux vieillards dont l'un était stérile. Et maintenant, Marie est tombée enceinte sans être touchée par un homme. Donc, on peut le croire. Pourquoi pas Parce qu'on a déjà vu juste avant deux de, de, de grands miracles qui étaient évidents et, et vus et palpables par les gens. D'accord Et c'est pour ça que certains ont cru à Mariam et que certains l'ont accusé d'être une prostituée, d'autres non. Pourquoi Parce qu'ils étaient habitués à voir des miracles. Pas autant aussi important, mais des miracles juste avant. Donc, pareil, Allah a préparait la conscience des Qurayshites à recevoir le Prophète avec ses miracles. Il les préparait juste avant, en mettant en place un miracle qui est celui de détruire l'armée des gens de l'éléphant d'une manière extraordinaire, afin que lorsque Mohammed viendra plus tard avec des nouveaux miracles, ils croient ça. Ils vont dire oui, on est habitué aux miracles, on les a vus il y a quelques années as Est-ce que Mohammed a eu comme miracle, comme le Coran, comme l'Israël ou le comme la, 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 la fissuration de, de la lune et ainsi de suite Oui, on peut les croire. Parce qu'on a vécu dans, de notre propre vivant des miracles, on les a Ce n'est pas des mythes que les gens nous ont rapportés. Il y a encore des vivants qui ont vu le miracle de al-Fil et qui ont vu les miracles du Prophète. Wa donc vous voyez, donc ça c'est un erhas. Et pour Allah a préparé les Quraishites à recevoir et à, à, voir, à voir des miracles de la part de Mohammed. Et comme ça, ils feront le lien. Le protecteur de le Kaaba, qu'il a protégé d'une manière extraordinaire, que nous avons vu de nos propres, propres yeux, c'est lui qui a envoyé Mohammed quelques années plus tard. Et il a dit, miracles que nous sommes en train de voir de nos propres yeux. Est-ce que vous avez compris la logique de ça Donc voilà pourquoi il le dit Rabbouka. Alors qu'il aurait pu dire, Alhamdulillah, n'as-tu pas vu ce que Dieu a fait Et là, il n'y aura pas de, de lien avec le prophète. Donc le kaf là, le pronom là, le, le, qui revient au prophète a cette, cette importance, a cette importance de le verser. Et sans ce kaf là, on n'aura pas compris euh, justement ce détail qui est très euh, important. Alors, quelle est l'histoire des gens de le fil Ashab fil, quelle est l'histoire Cette histoire, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, était connue des Arabes, parce qu'ils ont vécu l'événement, ils avaient des preuves de l'événement, et d'ailleurs, même lorsque, là, on a parlé dans surat le fil, il y a personne qui a protesté. Parce que si c'était quelque chose qui n'était pas connu, euh, tous les prolagites vont dire, mais c'est quoi, ça, de quoi parle le Coran Mais il, il dit n'importe quoi, c'est quoi ces, ces oiseaux qui viennent du ciel, ils jettent des pierres. C'est pas possible, tu es un menteur. Nous, on était là, nos parents étaient là, jamais on a entendu cela. Mais personne, personne n'a critiqué le prophète, sallam, sur ce fait-là. Il a fallu attendre 14 siècles pour que des gens viennent maintenant et dire Ah non, en fait, c'était pas des, des, des oiseaux, c'était un virus, et ainsi de suite. Ceux, ceux qui, étaient, qui, ont, qui étaient, ah, étaient présents au moment de la révélation n'ont pas fait cette critique. Et 14 siècles plus tard, ou le 13 siècles plus tard, on fait la critique-là. Donc vous voyez un petit peu le. Et là où le, la glissade de certains savants, bien qu'ils soient des, 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 des éminents savants versés dans le savoir, mais voilà, mais ça c'est l'influence de l'environnement, de la pression de l'environnement. Et malheureusement, c'est ce qui arrive aux musulmans euh, ces temps-ci. La pression de l'environnement pousse certains à faillir à certaines choses qui sont bien ancrées euh, dans la conscience des musulmans. Alors cette histoire était connue par euh, les, 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 les Arabes au point qu'ils utilisaient cet événement là comme un repère dans leur calendrier. Ils disaient Un tel est né l'année de l'éléphant, un tel est né deux ans après, euh, après l'année de l'éléphant, trois ans avant l'année de l'éléphant. C'était connu chez eux, chez les Arabes, d'accord, et répondu chez les Arabes, ce qui montre bien que le caractère était miraculeux, sinon ils ne l'auraient pas choisi comme référence dans leur euh, calendrier. Cette, cette histoire s'est déroulée en l'an 570-571 après euh, Isa Après la, la naissance de Isa a.s. Et c'est l'année même de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa Alors, selon certains, certaines sources euh, historiques, comme celle de Tabari ou celle d'Ibn euh, Ishaq, ce qui est dit c'est que vers l'an vers vers 520-523 après Jésus-Christ, euh, le Yémen était dirigé par un roi qui s'appelle Thou Nawes. Et cette, ce roi-là s'est converti euh, au judaïsme. Et on reviendra à ce roi-là, on, on parlera de lui lorsqu'on va parler de, euh, de Sorat, lorsqu'on Sorat euh, euh, al -Buruj. Donc cet homme-là s'est converti au euh, judaïsme et il avait le pouvoir sur tout le royaume de Himyar. Himyar, c'est la région de, euh, du Yémen. Et une communauté chrétienne est, est apparue dans la ville de Najran. Najran, ça se trouve au sud-ouest de l'Arabie Saoudite actuelle, juste à la frontière de l'Yémen. Donc, une communauté chrétienne qui s'est convertie au christianisme est apparue dans cette ville. Alors, ça serait, et on reviendra là-dessus, ça serait les gens de l'Ordud, Ashab l'Ordud. Et donc, Abu Nawas, lorsqu'il a entendu parler justement de cette communauté chrétienne qui se convertit au christianisme, on reparlera de ça, comment l'enfant se convertit au christianisme, et ainsi de suite. Donc, comme vous le savez, il a creusé un grand fossé et il les a exterminés, il les a euh, brûlés dedans. Et c'est pour cela que parle de Ashab al-Ordoud, les gens... Euh, du, du fossé donc ça serait arrivé, certains savants ont fait le lien avec cette communauté chrétienne de euh, Najran et suite au massacre de ces euh, chrétiens euh, le Négus le alors le Négus lorsqu'on parle du Négus c'est le titre du roi de l'Abyssinie comme Khosroes euh, c'est le titre du roi des de Perses euh, ou le, Qaysar, le le titre du, du, du roi des des Byzantins et Pharaon, le titre du roi euh, d'Égyptiens. De, 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 donc né, le Négus de, de l'époque qui s'appelait Asbaha, 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 on parle de Ella Asbea, Ella, E de Zela, Asbea, euh, était lui donc le roi de l'Éthiopie, le Négus. Lorsqu'il a entendu parler de cet intérim et lui il était chrétien, orthodoxe, lorsqu'il a entendu parler de cela, donc, il a décidé de se venger. D'autant plus qu'on raconte que l'évêque de cette communauté chrétienne de Najran était de l'Abyssinie, était originaire de l'Abyssinie. Et il était rattaché à l'église euh, de, euh, de l'Éthiopie. Il était rattaché à l'église de l'Éthiopie. Et donc, lorsqu'il a entendu parler du massacre de ces chrétiens-là, il a voulu les venger. Parce que ce sont des chrétiens comme lui. Et À l'époque, donc les Byzantins, lorsqu'ils ont entendu ça, qu'ils étaient eux aussi chrétiens, donc euh, le, le, le roi des Byzantins, donc, euh, il s'appelait Justin Ier, lorsqu'il a entendu parler de ça, il a aidé le négus de l'Éthiopie à, euh, à préparer une armée et à attaquer euh, donc, vos Nawas. Et c'est comme ça qu'on parle qu'il qu lui offrit, on dit qu'il lui a offrit 60 navires afin qu'il se déplace de l'Éthiopie euh, vers le Yémen. Donc 60 navires euh, qu'il lui a donnés pour cette entreprise. C'est alors que Asbaha envoya une armée à la tête de, la, de laquelle il a mis un commandant qui s'appelait Ariat. vous ayant vu cette armée, cette grande armée venir, alors certains, euh, certains historiens parlent de 100 000 personnes, donc, il a voulu négocier. Il leur a dit ben, écoutez, moi je, suis je, je, je vous cède les terres, je vous laisse entrer dans les terres et propager le christianisme comme vous voulez. Et, et ça, c'était une ruse en fait pour disperser l'armée. Donc, Ariat a demandé à son armée de se diviser en plusieurs parties pour aller dans chaque contrée au, au niveau du sud de l'Arabie, de l'UML, les différentes villes. Et donc, c'est comme ça qu'il a dispatché qu l'armée. Et en ayant dispatché l'armée pour aller dans les différentes villes, Dunouès euh, a, euh, a commencé à attaquer l'armée groupe par groupe pour avoir la, la force. Lorsqu'il était réuni, il ne pouvait pas, bien entendu, les euh, attaquer. Et donc, euh, c'est comme ça que Dunouès euh, a triomphé de l'armée de Ariat qui était à l'époque euh, dispatchée. Ariat euh, rentra en Éthiopie il est allé voir euh, le Négus pour lui faire, part, lui faire part de ce qui est arrivé. Et Negus, donc prépara une nouvelle armée à la tête de laquelle, enfin, qui était constituée de 100 000 personnes et à la tête de laquelle il a mis Abraha. Abraha donc c'est celui qui va être à la tête de l'armée qui va venir pour détruire el kaaba comme on va le voir. Alors Abraha est venu, il s'empara de la ville de Sanaa qui est actuellement donc la capitale du Yémen. À l'époque ce n'était pas elle la capitale. Et il força les habitants de cette ville à se convertir au christianisme, les habitants étaient majoritairement des Juifs, et donc il les a forcés à se convertir au euh, christianisme, et ceux qui avaient euh, refusé, il leur a tranché euh, la gorge. Le Négus donc euh, attendait de recevoir le butin qu'avait une partie du butin qu'avait euh, obtenu euh, Abraha euh, mais celui-ci ne, ne s'exécuta pas. Et c'est là où Négus lui demanda de rentrer en Abyssinie. Et Abraha refusa. Comme il a vu qu'il a pris énormément de pouvoir, qu'il est loin de l'Éthiopie, donc il a dit ben, je, voilà, je, je renie quelque part mon appartenance euh, à Négus. Et donc c'est comme ça que Négus constitue une nouvelle armée à la tête de laquelle il a mis encore une nouvelle fois Ariad pour aller justement euh, obliger euh, Abraha à. À euh, céder. Donc l'armée est venue, les deux hommes s'affrontèrent dans un duel. Ils ont, ils ont lancé un duel. Et donc pendant ce duel-là, -là, Ariat a blessé Abraha au niveau de son nez. Euh, D'où le surnom de Abraha al-Ashram. Ashram en arabe, ça veut dire celui qui est blessé ou qui a une partie du nez qui est coupée. Abraha al-Ashram. Sauf qu'un commandant qui était de l'armée de Abraha a pris sa lance et il a tué Ariat. Donc là, l'information est arrivée à Négus, que Ariat a été assassiné par euh, Abraha. Négus fut pris de colère, il était fou de rage et c'est là qu'il a juré de tuer Abraha, de se venger, de tuer Abraha. L'information est parvenue à Abraha, et euh, Négus a commencé à préparer une armée, mais déjà il avait perdu beaucoup d'hommes qui se sont ralliés à Abraha. Donc il a menacé, mais il n'était pas assez, enfin il n'avait pas assez d'armes de, 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 et assez de, de, de soldats pour attaquer Abraha mais Abraha a pris quand même peur il n'a pas voulu euh, arriver jusqu'à cet affrontement donc il a, envoie, il a envoyé un émissaire euh, chez Negus pour lui donner une, 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 une fausse version sur l'assassinat de Ariadne, il a dit c'est pas moi qui l'ai tué Voilà comment. Il, bon, il, a, il a trouvé une explication un petit peu farfelue pour le convaincre euh, que c'est pas lui qui a tué Ariad Bien entendu, Négus ne voulant pas entrer dans l'affrontement parce qu'il savait qu'il n'avait pas la force non plus. Donc il a dit Bon, j'accepte cette version. J'accepte cette version et je te considère comme mon gouverneur euh, sur le royaume de Himyar. Donc tu restes là-bas gouverneur Himyar ainsi que euh, Najran, la, période, la, la, la ville de Najran. Et donc c'est comme ça que euh, Abraha a pris son pouvoir sur le sud de euh, la péninsule arabique. Et il a commencé. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a euh, reconstitué le Sedma Ma'rib, ma Le barrage de Ma'rib. Ma à chaque fois, il s'effondrait. Euh, il s'est effondré de, à l'époque de Ibrahim alayhi et c'est là où euh, une tribu euh, a quitté donc euh, le Yémen pour aller chercher un autre endroit où vivre. Et c'est comme ça qu'ils ont, dans l'histoire, ils ont rencontré euh, Hajar anha euh, avec son fils euh, Ismaël donc, abraham, donc, il a restauré cette, ce barrage là de euh, Ma'rib et il a transmis, enfin, il, a, il a changé la capitale de l'époque, la capitale de l'époque, c'était zafar, et il a, il a pris la nouvelle capitale comme euh, sanaa, et qui est restée capitale jusqu'à euh, nos jours. après la mort de euh, Asbah, asbaha, il fut remplacé par un Nouveau négus euh, qui s'appelle euh, Gerbé Meskel. Et donc, euh, Abraha a voulu euh, gagner les faveurs de ce nouveau négus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a construit euh, une grande euh, église, euh, une grande cathédrale, euh, et en l'attribuant euh, euh, au royaume de Aksum. Alors Aksum, ça ne veut pas dire la viande. D'accord Pour Shluch, Aksum, c'est la viande. Aksum, le royaume d'Aksum, c'est le royaume de, de l'Éthiopie. On l'appelait Aksum. Donc comme ça, on l'appelle comme ça Aksum. Donc il a construit cette, euh, cette grande cathédrale et il l'a rattachée au royaume d'Aksum. Donc pour dire au, au nouveau Négus que je suis sous ton, tes ordres et ainsi de suite pour ne pas euh, justement provoquer euh, des problèmes avec lui. Et donc cette, euh, cette nouvelle cathédrale, il l'a appelée Al-Qolais. Alors les savants, ils divergent. Il y a certains qui disent Al-Qalis, certains ils disent Al-Qalis, et certains disent Al-Qolais. Peu importe l'expression, les comme dit. Donc, il a appelé al Qolais. On va choisir ce, ce nom-là. Et donc là, il a commencé à appeler les gens à euh, accomplir un pèlerinage vers cette nouvelle euh, cathédrale. Euh, les Arabes de Yémen qui s'étaient convertis au christianisme ont commencé à venir, mais pas en grand nombre. Et c'est là qu'il a commencé à s'enquérir pourquoi les Arabes ne viennent pas. On lui a dit, ben, euh, il y a une, un temple qui se trouve à la Mecque qui est le Qibla de tous le, le, les Arabes de la péninsule arabique où, où ils accomplissent leur pèlerinage. Donc il a envoyé des émissaires et des lettres à toutes les tribus de l'Arabie pour leur demander de venir à ce nouveau temple et pour les inviter au christianisme. Et bien entendu, euh, ils n'ont pas entendu son appel d'une euh, bonne oreille et ils refusèrent euh, de céder ou bien de, de, de suivre euh, sa proposition de conversion. Et donc, euh, c'est là donc, que Abraha était en colère. Et il a dit, ben, puisque c'est ce temple-là, de Kaaba, qui empêche les gens de venir dans mon temple, je vais le détruire. Par contre, il y a d'autres historiens qui disent que ce n'est pas comme ça qu'il s'est mis en colère et qu'il a voulu détruire le Kaaba. C'est un païen qui habitait, qui habitait à la Mecque ou juste dans les environs de la Mecque, qui est parti au Yémen et il a demandé l'autorisation de dormir à l'intérieur de cette cathédrale. Et on lui a donné l'autorisation de la faire. Et euh, donc, le, le, le matin. Donc, il a souillé par ses excréments la cathédrale. Et donc, lorsque les gens ont découvert ça, et que c'était un homme de la Mecque qui a fait ça, donc Abraham fut pris de rage, et c'est là qu'il a juré de détruire euh, El Kaaba. Et donc, là, il a constitué une grande armée à la tête de laquelle il a mis un ou plusieurs éléphants. Certains historiens disent qu'il n'y avait qu'un seul éléphant, certains parlent de deux éléphants, certains parlent de huit éléphants, certains parlent de douze. Il y a même certains qui parlaient de centaines, mais là c'est exagéré. On peut comprendre qu'il qu il il y aurait eu douze. Pourquoi Parce que nous savons que les, les éléphants ne vivaient pas dans la péninsule arabique. Ils vivent soit en, en Asie, soit euh, en, en Afrique. Mais vu le lien qu'avait Abraha avec l'Éthiopie, donc forcément il avait ramené, il avait importé. Cet éléphant ou ces quelques éléphants de l'Éthiopie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est acceptable, qui est connu. Et certains détracteurs et certains euh, orientalistes disent, justement, ils critiquent cette sorate-là en disant Mais comment se fait-il que qu'Abraha est venu avec un éléphant alors que là, dans la péninsule arabique, il n'y a pas d'éléphant Et un éléphant, il demande énormément de nourriture, énormément d'eau. Et comment se fait-il que qu'Abraha s'est déplacé sur 800 km depuis. Euh, Sanaa jusqu'à la Mecque, toute sa, ce chemin, tout ce chemin-là, et l'éléphant, qu'est-ce qu'il mangeait D'abord, le, le chemin entre Sanaa et la Mecque n'est pas. La, les terres par lesquelles il est passé, ce ne sont pas des terres arides. Allez voir à Al Taïf, par exemple, qui n'est pas loin, à 60 km, 60 km de la Mecque, moi j'y étais dernièrement. Taïf, c'est une ville verdoyante, c'est là où on trouve les fruits, et ainsi de suite. Et ce n'est pas que Taïf. Plus vous allez vers le sud de Yémen. Euh, plus, ce n'est pas, pas désertique, ça c'est déjà d'une. Et une armée de cette ampleur-là peut bien préparer la nourriture d'un éléphant qu'ils vont accompagner avec eux ou de quelques éléphants, une douzaine d'éléphants qu'ils ramènent avec eux euh, sur quelques jours. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire et cette argumentation est vraiment maigre. Et venir et remettre en cause euh, une sourate coranique euh, et des vérités scientifiques et historiques qui sont. Et on euh, raconté unanimement par l'arabe depuis l'époque du prophète, c'est quelque chose qui est complètement maigre. Et si critique devait y avoir, cette critique, on l'aurait entendue du vivant du prophète, comme je vous ai dit. Les Arabes eux-mêmes auraient critiqué le Coran, et personne n'aurait cru pro au prophète Mohammed, parce qu'ils vont lui dire, tu as parlé d'un éléphant, ton Dieu te parle d'un éléphant, alors qu'il n'y avait ni éléphant, ni rien du tout, on n'a jamais vécu ça, et, et, et ça fait que 40 ans que cet événement est arrivé. Il n'y avait pas d'éléphant. Donc, ton, ton, ton Dieu est un menteur, tu es un menteur, il ne va pas te suivre. Alors, comment penser que les... Que, 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 si les compagnons ont suivi le prophète, mais pas les moindres, alors qu'ils avaient leurs parents qui ont vécu cet événement-là, il y avait même parmi eux ceux qui ont vécu cet événement-là. On a parlé tout à l'heure de, de ce compagnon qui a dit que, 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 que j'ai vu le, le denteur et celui qui dirigeait ce, cet éléphant-là, ils étaient vivants, aveugles, grabataires et qui... Il faisait, il mondiait les gens lui-même. Jamais il serait converti à l'islam s'il n'avait pas les preuves que l'éléphant était à la tête de cette armée ou les déséléphants ont été à la tête de cette armée. Alors, la suite de l'histoire, on va la laisser Inch'Allah pour la prochaine, la prochaine séance parce qu'il y a encore d'autres détails à citer. يوم ساقط أسوني فولان نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين